Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur Science Reborn. Waouh! Attention à cette vidéo, si tous abonnés, cliquez là sur abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Aujourd'hui, nous aimerions avec vous réagir sur la vidéo la plus connue de la chaîne, la vidéo populaire. Venez. Quand vous arrivez sur Science Reborn, faisons une actualisation de la page, s'il vous plaît. Ok? Comme vous pouvez le voir ici. Bienvenue sur Science Reborn. Vidéo mise en ligne. Mais il y a vidéo populaire. Waouh! Dans la partie vidéo populaire, vous pouvez voir les vidéos qui sont populaires qui sont ici. Les vidéos les plus regardées de Science Reborn sur la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos. Vous pouvez les regarder chacune l'une après l'autre. Mais la vidéo la plus connue, la plus populaire, la vidéo populaire, c'est celle-là. Regardez, on dit la sirène en guerre contre les chrétiens. Waouh, la sirène attaque. Et c'est vrai, c'est tout simplement un témoignage où quelqu'un qui était dans le monde des ténèbres va voir comment la sirène va s'y prendre pour attaquer qui? Les vrais chrétiens. Allons-y, on clique là-dessus. Voilà. Conseil d'un ami. Waouh, c'est excellent. Vous pouvez laisser un j'aime si ça vous a plu et vous abonner en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On dit le témoignage du revenant. Le témoignage du revenant, frère Mathieu Mbadjoko. C'est le nom de celui qui va rendre ce témoignage. En fait, c'est un revenant. Le témoignage de Mathieu Mbadjoko qui mourut, fut enterré et qui revint sur terre après 3 ans. Chapitre 1. Les circonstances de ma mort. Bien-aimé, bienvenue dans mon témoignage. Je veux commencer par expliquer le mystère de la mort. Il faut comprendre qu'il y a la mort naturelle et la mort mystique qui est une mort prématurée et montée. Nous parlons de la mort naturelle lorsqu'un être humain meurt après avoir épuisé le nombre des années allouées pour lui par Dieu. Car le Seigneur a fixé un nombre d'années précis pour chaque homme sur terre. Mais dans la mort mystique ou prématurée qui est perpétrée principalement par les serviteurs du diable, l'homme meurt sans pour autant épuiser le nombre des années allouées par le Seigneur pour lui. Nombreux sont des hommes et des femmes qui ont leur vie interrompue prématurément sans pour autant atteindre le nombre des années allouées pour eux par Dieu. En effet, Lucifer est toujours à la recherche des esprits humains afin de les utiliser comme des démons. En fait, de nombreux esprits maléfiques qui sont en guerre contre les chrétiens et l'humanité sont des esprits humains, je veux dire des êtres humains qui sont morts avant leur temps, qui sont ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Ok, vous avez entendu? C'est sérieux ce qui va se passer dans cette vidéo. Cette vidéo dure 55 minutes 40, mais ce qui s'y trouve, aïe aïe aïe, ça sera extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire, c'est énorme. Je vous incite par là à regarder cette vidéo. Ok? C'est même la vidéo la plus regardée et je vous remercie également de l'avoir regardée. Regardez, on atteint, waouh, ça ne fait que grimper. Que Dieu vous bénisse, les amis. Regardez également cette vidéo par la suite, car cette vidéo va certainement suivre celle-là. C'est tellement excellent que je vais vous laisser écouter encore juste quelques minutes avant de vous dire abonnez-vous à cette vidéo, activez la cloche et vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ils sont morts officiellement, mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la Terre. Bien-aimés, nous sommes en guerre. Ils sont ensuite enrôlés et intégrés dans l'armée diabolique de Lucifer. Ils sont morts officiellement, mais ils sont toujours opérationnels à la surface de la Terre. Bien-aimés, nous sommes en guerre contre les esprits démoniaques et les esprits humains. Les satanistes offrent constamment des sacrifices humains au diable. En conséquence, les esprits de ces victimes sont transportés vers le royaume du diable et ils sont utilisés par le monde infernal comme des démons, jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre des années allouées par Dieu pour eux. Ce fut mon cas. J'étais mort prématurément comme victime de la sorcellerie et du sacrifice humain, et je fus transporté vers le monde sous-marin pour servir Lucifer et fonctionner comme un démon. Je suis le frère Mathieu Mbadjoko. Je suis déjà bien connu dans le pays. Je suis né dans la province orientale en République démocratique du Congo. Que va-t-il se passer par la suite? Là, il a commencé à se présenter. Regarde la vidéo et dis-nous ce que tu en penses. Waouh, c'est extraordinaire. Waouh, comme tu vois, beaucoup de personnes ont aimé la vidéo. Ça va sans doute t'intéresser.
Abonne-toi si tu as souvent cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Et regarde cette vidéo, la vidéo populaire de Nyonsa Reborn. Très beau. Regardez. Merci. Si vous êtes abonné également, puis les 800 abonnés, je vous ai fait une vidéo aujourd'hui. C'est cette vidéo-là qui se trouve ici. Regardez. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo, regarde cette vidéo et tu auras des cadeaux pour toi. À bientôt. On se revoit.